Si la drill s'est installée sur la scène francophone en 2020, c'est sans doute grâce au cas sur le mieux surfer sur cette vague du genre en France. Salut, je suis Nesco, je vais te parler de l'incroyable Ascension et Gazo, l'actuel roi de la drill FR. De son vrai nom, Ibrahim Adjakite Boris, Gazo est un rappeur français d'origine guinéenne. Pour ceux qui ne savent pas, il est le cousin de MHD. Gazo a fait une partie de son enfance dans le 11e arrondissement et il a aussi vécu à Saint-Denis. Et si je te dis 2019, ça te dit quelque chose? Pour tout vous dire, l'année 2019 est l'année de réinvention de Gazo. Mais là, nous ne sommes pas encore à son bon. Mais il s'est fait connaître cette année-là, en fin 2019. De base, son nom de scène était Bramso. En ce temps-là, la drill ne s'était pas encore installée en France. Voici ce que ça donne Bramso avant la drill. Dans mon boîte alimentaire et les cercles ramassent d'où que ça se promène de tes santé, c'est plus barre aussi la 4 qui peut te fouler. Mais du coup, il a dû changer de nom de scène parce qu'en ce temps-là, il y avait déjà Bramsito, Bramso la dev, et puis ça faisait un peu copie. Du coup, il a dû changer de style musical et de nom en s'appelant Gazo suite à la découverte de la drill fin 2019. Et là, il a commencé à enchaîner des freestyles, notamment Drill 1. Gazo vient de là où Yankee prend sa con, c'est cash. J'ai la vengeance sous mon masque, après une rafale, c'est qu'on se cache. Et Drill 2. Toi, t'es une cookie, t'en faire un croquis. Je vois la coco comme cookie. Mais l'un des faits les plus marquants de sa carrière, c'est cette fameuse mixtape Drill.fr, album qui lui a permis d'ailleurs de se faire une place dans le milieu du rap français. Sorti le 21 février 2021, la mixtape de Gazo a cumulé près de 8600 ventes, et ça seulement une semaine après la sortie de l'album. Cette mixtape a reçu plusieurs certifications, notamment le 10 de platine pour l'album en seulement 10 mois. La collaboration avec Chakola sur le son Kassab a été certifiée 10 de platine. Son single et fond a été certifié Dix d'or. Encore une soirée sous le fond et de chicalité. Et son single N et Sex a été certifié Dix de diamant. Faut des billets de banque et des armes lourdes ou de leur mettre des balles dans la tête et puis leur demander qui veut la guerre. Hey. Pour les collaborations, je n'en pourrais citer car Gazo avait tellement de filles, tellement de filles. Mais je ne pourrais citer que quelques-uns, notamment Kobayadé sur le son Daddy Chocolat, qui actuellement a plus de 68 millions de vues sur YouTube. Hey. Je veux que je la baisse pendant que ses parents sont pas là. Hey. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Hey. 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 Nous avons également Kassab avec Tiako Lamelo, qui compte actuellement plus de 48 millions de vues sur YouTube. Kassab, bitches, elle veut Kassab. Hey. 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 Pull up et t'es Kassab. Et enfin, nous avons le feat Drill.fr4 en collaboration avec l'artiste Freeze Corleone qui actuellement a plus de 35 millions de vues sur YouTube. Les bonbons sont remplis de cocaïne. Flex. Dakadine en guise de protéines. Flex. Le 1er juillet 2022, Gazo sort sa deuxième mixtape, une vraie masterclass. Un album qui contient près de 15 titres. Parmi ces titres-là, nous pouvons trouver Céline 3X. Ma monnaie ne fait que m'embellir. Voilà, rap, je fais des délits. J'ai chassé ma robe et j'ai sali. Je suis pas Dion, mais je m'habille en Céline. Molly. Ça me fait du bien mental. Mental. Ça me détruit physique. Dad. Elle voudrait qu'on fait nos boys. Bitch, nous connaissons mal. Hey, hey, j'ai vu qu'elle a capté ses yeux briller devant les eyes. Ils ont essayé de voler nos boys. Et bien d'autres. Dès la sortie de l'opus, on comptabilise plus de 27 696 ventes. Normal, puisqu'il obtient le 10 de platine avec plus de 100 000 ventes de l'album. Pour les certifications, Gazo en compte tellement. 10 certifications pour le diamant, 9 certifications pour l'or et 8 certifications pour le platine. Et bien évidemment, le 4 décembre 2022, comme rêve de tout artiste, Gazo remplit les Zénith de Paris avec une capacité de plus de 7000 places. Et là, je vous parle du Zénith de Paris avec plus de 7000 places. Allez, je vous laisse regarder.